Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer un plat simple à faire. C'est le porc sauté au bambou. Vous pouvez remplacer le porc par le bœuf ou le poulet, comme vous voulez. Pour le bambou, j'ai acheté le sachet de bambou fabriqué en Thaïlande. Et ce sachet, environ 450 grammes. Pour la viande, c'est à votre goût, plus ou moins de viande. Ici, j'ai utilisé un peu plus de 300 grammes de porc. Deux tomates, l'ail coupé, du sucre, du sauce au poisson, du sel et du poivre. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe aux viandes pour mariner. Je poivrerai à vos goûts. Pour le bœuf, vous marinez avec le sauce d'huître, c'est plus de goût. Je coupais de l'ail en façon comme ça. Le bout sont durs. Je vais couper fine, très fine si c'est possible. Et le bout comme ça, je vais couper en gros morceaux parce que là, il n'a pas dur du tout. D'accord? Voilà. Ça, c'est le bout. Ici, c'est moins dur. Et si vous trouvez le bout, il est trop dur, vous jetez. Ça sert à rien de garder parce qu'on ne peut pas manger, ils sont durs. Je jette. Il y a des fois, les peaux sont dures. Mais ce côté-là, vous coupez en taille fine. N'oubliez pas que je séparais le bambou en deux parties. Ça, c'est le pied de bambou et ça, c'est le bout de bambou. Le pied de bambou, on va cuire en première parce qu'il est plus dur que le bout de bambou. Versez de l'huile dans la poêle ou casserole et va faire cuire de l'ail en premier. Puis, on va sauter la viande. On va sauter la viande comme mi-cuite et on va rajouter le tomate après. On rajoute le tomate et la partie bambou, le pied de bambou. Le pied de bambou sont plus durs, donc il faut sauter en premier. Le reste, le bout de bambou, c'est le moins dur. Je vais rajouter du sel à vos goûts, plus ou moins salé, c'est à vous de choisir. 5 minutes après, vous versez le reste de bambou, c'est le bout de bambou. Je vais rajouter un peu de sucre. Si vous n'aimez pas, vous ne mettez pas. Mais au Vietnam, on aime le sucre avec le tomate et le sauce au poisson. J'ajoute aussi un peu de sauce au poisson. Et le poivre, à votre goût. Je rajoute ici 100 ml d'eau. Je mélange et je ferme avec la couvercle. Jusqu'à faire cuire, jusqu'à le bambou faire cuite. Une fois que vous goûtez des bambous, vous voyez, c'est assez tendre, assez à votre goût, vous pouvez arrêter la cuisson. Voilà, le plat est prêt. Je vous souhaite bon appétit et n'oubliez pas de demander un like, un j'aime. Merci beaucoup. À bientôt sur la prochaine vidéo. Au revoir. Ciao.